aujourd'hui je suis dans les rues de la Havane et avec Renault, on a décidé de se faire un petit plaisir, s'offrir un tour dans l'un de ces véhicules mythiques ici à Cuba. On est dans cette merveilleuse Chevrolet Impala. C'est le moteur d'origine, c'est la carrosserie d'origine, les sièges sont d'origine. On n'en trouve plus des voitures comme ça, c'est seulement à Cuba. On a des véhicules qui sont utilisés comme des minibus. Vous allez voir parfois jusqu'à 10 personnes qui rentrent dedans. D'autres qui sont comme des simples taxis, d'autres pour transporter toutes sortes de produits, de matériel, et puis bien sûr des véhicules privés que les familles gardent de génération en génération. Et voilà, ces véhicules, ces ancêtres qui sont magnifiques ici à Cuba, ils font partie du patrimoine du pays. Interdiction totale de les vendre, de les exporter. Elles doivent rester ici à Cuba. Et c'est ce qui a fait la légende, évidemment, parce que les familles qui détiennent parfois depuis plusieurs décennies ces voitures, eh bien, elles les bichonnent, elles les réparent, elles les entretiennent, parce que ces voitures, ça fait vraiment le cœur et la magie de cette île des Caraïbes.